Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Thérapie Zen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'EFT et comment se libérer finalement de ces pensées négatives par rapport à la santé pour se renforcer, pour renforcer son immunité. Vu que le mental et la physiologie sont liés, nous allons travailler là-dessus. Alors comment je suis arrivée sur ce sujet ? Bien sûr, comme tout le monde, j'entends beaucoup parler du coronavirus. Alors j'ai mes périodes où je me dis « Oh, c'est pas grave, ce n'est qu'une grippe ». Et puis j'ai des moments où finalement je me laisse impacter par les médias. « Ah, il faut que je fasse attention, et si jamais ?» Et puis blablabla. Oh, je suis un petit peu entre les deux, parfois ça m'embête un peu. Et ce matin, je me réveille, je suis plutôt fatiguée. Donc mon inconscient commence à travailler. En plus, je ramène ma fille à l'école avec à la radio les médias de nouveau qui en reparlent et en reparlent. Alors pour me rassurer, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder sur Google pour faire un peu une comparaison avec la grippe, combien de personnes a été touchées l'année dernière. Et pour autant, donc je laisse passer le temps, je me prépare, je m'occupe de certaines choses et je vois qu'en fond, j'ai toujours ce doute. Ah, je suis fatiguée, je suis pas bien, et si jamais, et oh non, je voudrais pas. Et puis je me dis, mais ça suffit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et si, je me suis dit, et si finalement, je faisais une méditation sur la lumière de guérison? Ça pourrait être une idée. Ça me permettrait de me reposer, de me sentir bien, et de changer mon mécanisme de pensée. Et puis, j'ai pensé aussi à l'EFT. L'EFT est vraiment une technique qui est super pour se libérer émotionnellement, pardon, et en même temps, pour induire des pensées plus positives. Et là, je me dis, ouais, ça peut être une bonne idée. Pour booster mon immunité, puisque au niveau mental et physiologique, les deux sont liés, et en même temps, me sentir bien. Ça peut être une petite routine qu'on peut faire tous les matins, qui est grippe ou pas grippe, j'ai envie de dire toute l'année, simplement pour se sentir en pleine forme et passer une bonne journée, au lieu de ressasser des « je suis fatiguée, je suis pas bien, et si je tombais malade, et qu'est-ce qui va se passer, et blablabla », ce que notre mental parfois a tendance à nous faire ruminer. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que peut-être ça pourrait vous intéresser, d'où le fait que je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc si ça vous dit, je vous propose de vous installer confortablement sur votre chaise et on va commencer à faire le tapotage au niveau des différents points d'EFT que je vous montre dans un premier temps. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'EFT, bien sûr vous pouvez regarder la première vidéo où j'explique cette technique. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Donc vous pouvez prendre le point karaté. Vous allez commencer à tapoter le point karaté et vous pouvez vous dire par exemple, même si j'ai peur de tomber malade, je me sens fatiguée, je m'aime et m'accepte complètement et totalement. Même si je me sens fatiguée ce matin, pas très en forme, je m'aime tel que je suis aujourd'hui et maintenant. Même si il y a une sensation de désagréable dans mon corps ou peut-être un coup de mou, je sais que ma journée va bien se passer. Je vais tapoter au niveau du milieu des front. Même si j'ai cette sensation désagréable de fatigue, même si tout ce qui est raconté en ce moment me prenne la tête, je m'aime et m'accepte complètement et totalement. Sur le côté. Même si toutes ces informations, en ce moment, me font cogiter, je m'aime et m'accepte complètement et totalement.
sous l'œil. Même si j'ai peur, peut-être, de tomber malade. Je m'accepte telle que je suis, aujourd'hui et maintenant. Sous le nez. Même si parfois mes pensées me prennent la tête. J'accepte mon mode de fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Au niveau du menton. Même si j'ai toutes ces pensées, toutes ces ruminations, ces inquiétudes, je suis capable d'avancer sur mon chemin. Au niveau des clavicules, même si j'ai toutes ces pensées, ces ruminations, ces inquiétudes, je me sens de mieux en mieux et j'avance vraiment bien. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes, je relâche et je laisse partir. Tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, je relâche et je laisse partir. Tous mes soucis, tout mon stress et toute autre émotion désagréable, je relâche et je laisse partir. Ainsi, je fais de la place pour de nouvelles émotions et de belles énergies. Je relâche toutes les énergies usées que j'ai pu accumuler ces derniers temps. Je relâche toutes les émotions désagréables, toutes les colères peut-être, toutes les inquiétudes dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Je change mon énergie. Je viens nettoyer chaque cellule de mon corps. Et je me sens de mieux en mieux. Je relâche ma fatigue. Et je me remplis d'une bonne énergie. Je m'accepte telle que je suis ici et maintenant. En toute quiétude. À chaque inspiration, j'inspire une lumière blanche remplie d'énergie vitale. Je m'emplis, j'emplis chacune de mes cellules d'énergie vitale qui se diffuse dans tout mon corps, dans chaque organe. Je relâche ma fatigue et je m'emplis de belles énergies. Me voilà de mieux en mieux reboostée. Je régénère chacune de mes cellules. Je m'imprègne de calme et de sérénité. La vie est belle. Je me sens bien. Et petit à petit, je peux sentir un soleil intérieur qui grandit comme une chaleur, de la lumière. Je m'emplis de cette lumière, de cette forme, prête à passer ou prêt à passer une belle journée. Je me sens bien, en pleine forme, revigorée et régénérée. Emplie de toutes ces belles énergies, je m'aime profondément et je suis prête pour passer une belle et agréable journée.
pouvez relâcher. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Prenez votre poignet, inspirez profondément. Soufflez. La paix. Et vous relâchez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a reboosté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas. Je serai vraiment ravie de vous relire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.